pas rencontré quelqu'un qui présente une exposition, on va dire, sur les photographies d'un artiste. Donc, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Alors, je m'appelle Aurélie Dasneves et je suis chef de projet pour l'association Promouvart. D'accord. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire l'exposition, on va dire, de cette photo ? Alors, en fait, moi, mon travail, c'est de travailler avec les artistes, que ce soit sur, dans toutes les disciplines, ça peut être le spectacle vivant, les arts plastiques, la photographie, la vidéo. Voilà, on est ouvert à toutes disciplines artistiques. Et là, donc, c'est l'exposition d'un artiste qui s'appelle Yann Ciela. Et qui avait en fait, alors normalement, cette exposition, elle est installée dans un bus anglais qui s'appelle Le Voyageur. Mais il est un peu vieux et il nous a fait des petites blagues, on est en panne. Donc on a quand même apporté l'exposition ici à Normandie. C'est mieux que rien. Donc il n'y a pas l'effet waouh du bus, mais il y a quand même l'effet waouh des photos et de l'installation en fait. On a essayé de reproduire un peu ce qu'on avait dans le bus. Oui, il y a des coussins. Oui, c'est ça, il y a les assises de siège, on a des bouts de moquettes, voilà, tout ça, ça vient du bus. Et puis, on a effectivement les photos au sol aussi qui peuvent être, qui surprennent beaucoup au départ. On n'ose pas forcément marcher dessus. Et puis voilà, on a une quarantaine de photos exposées. C'est une exposition éphémère. D'accord. Et quel est le but de l'association dont vous êtes là? Alors, le but de l'association, c'est d'accompagner les artistes, en fait, de les aider dans tout ce qui est annexe à la création. Parce que quand ils gèrent tout ce qui est administratif, financier, chercher des expos ou des dates pour les spectacles, ça prend énormément de temps, donc ils n'ont plus forcément le temps de créer. Donc nous, on est là pour accompagner tout ça, en fait, pour leur permettre d'être un peu plus libre dans la création. D'accord, merci. D'accord. Et toutes ces photos, c'est dans la France, Alors non, on a des photos, donc on a des photos d'Évreux, on a des photos qui sont prises du côté de Rouen, de Paris, mais je sais qu'on a aussi Berlin, Londres, il me semble. Alors je n'ai pas toutes les infos, parce que ce sont des petits cachotiers, les artistes. Et, mais voilà, on peut dire que c'est plutôt l'Europe. D'accord. Et c'est quelque chose qui est pour vous une passion depuis longtemps ou que vous avez découvert récemment ou... Alors non, j'ai toujours été attirée par l'art, quel qu'il soit. Et j'adore vraiment travailler avec les artistes, les accompagner, découvrir ce que je suis un peu... En fait, je suis une petite souris quand ils travaillent. Et donc, je sais tout avant tout le monde. donc c'est assez chouette ouais, comme travail. Mais c'est aussi, ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Je travaille tous les jours, 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, j'essaie de dormir un peu, mais pas loin. C'est vrai, c'est ça. Donc, mais oui, c'est passionnant. D'accord. Et du coup, le thème de ces photos, c'est tout en noir et blanc, c'est l'abandon, Oui, alors c'est ce qu'on appelle de l'urbex, donc ce sont des lieux abandonnés qui ont été laissés un peu à ciel ouvert, en libre accès, que ce soit au niveau du temps, la nature qui reprend ses droits on peut voir des graphes qui sont aussi des œuvres d'art. Donc on a aussi des artistes qui investissent ces lieux et ça donne des choses assez intéressantes. Sachant que quand Yann prend des photos des graphes, il ne prend pas uniquement le graphe, il prend le graphe dans son ensemble, dans son élément. Puisque le graphe en lui-même étant une œuvre, ça n'a pas de sens de prendre. C'est comme quand on prend une photo d'une photo, ça n'a pas de sens. Oui. Donc lui, c'est vraiment, il essaye de le remettre dans son élément. Celle qui est à vos pieds, par exemple, on a un canard qui est dans une douche. Voilà, on voit bien qu'il est dans son élément, il est à sa place. Et là, c'est une genre de tournée, enfin, l'exposition est dans plusieurs lieux. Oui, c'était l'itinérance avec notre voyageur. Donc on est allé au Vieil-Évreux, on est allé à Saint-André-de-l'Eure, on devait aller à Acon hier, mais on n'a pas pu y aller du coup. Et là on est à Normandie pendant 3 jours, et le reste du temps on est à Saint-Sébastien-de-Morse. Donc on clôture les expositions dimanche. Et ça fait quand même 2 mois et demi que les expositions sont en route, donc il y a un moment faut aussi mettre un terme et passer à autre chose, et puis et inventer de nouvelles choses. Et je sais qu'avec elle, on va en inventer. Je pense qu'on n'a pas fini de surprendre.
ça toujours tout seul ou il a des personnes qui l'accompagnent? Alors, il travaille effectivement avec un collectif qui s'appelle le collectif Quadco, donc avec Mickaël Liblin, François Ferry et Joanne Lefebvre. Donc, ils travaillent beaucoup tous les quatre, ils se baladent, voilà, ils partent en expédition photo tous les quatre assez régulièrement. Et on a d'ailleurs une exposition à Saint-Sébastien de Lorsan avec leur travail, uniquement de ce collectif, et sur Évreux avec le collectif et 26 jeunes évreuxiens. D'accord. D'autres questions ou... Non, pour moi c'est tout. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Bah, merci d'être venu découvrir cette expo. Au revoir. Au revoir.